Toutes nos félicitations. Merci. Merci à tous. Gal Mackay. Toutes nos félicitations. Félicitations à toi aussi. Merci. Un grand merci à Dieu. Gulbaz Khan a été sauvé de cette honte. Maintenant il peut. Enfin, évoluer fièrement et avec grâce dans sa ville. A-t-il tué Ressam et Zardab ? Oui. Zardab et son frère est assassiné. Maze Rasham est vivant. Pourquoi ? Garderas-tu encore elle dans cette maison ? Non. Nous la ramènerons dans cette maison et tuer. Donc ce serait une leçon pour tout le monde. Que Dieu nous pardonne. J'ai vu plus récemment une fille tellement impudique, dans cette maison avant, ou même pas à l'avenir. Tu as raison. Tout à fait raison, 100%. Personne ne le lapidera. Comment sera-t-elle traitée? Conseil tribal, je déciderai que. Personne n'est autorisé à faire n'importe quoi avant ça. Compris? Gul Mackay. Emmène-la à l'intérieur. Allez, allons-y tout le monde. Toi, toutes nos félicitations. Beaucoup de félicitations. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Gulbaz Khan ne devrait pas amener cette dame dans cette maison. Khan Sahib a dit que le conseil tribal décidera. C'est un péché de voir une fille tellement impudique. Si nous ne la voyons pas, alors comment allons-nous donner? Leçon pour tout le monde. Que Dieu nous sauve d'une fille si impudique. Le conseil tribal décide de sa punition plus tard. Mais je vais lui donner punition maintenant. Sa punition est que... Nous allons lui raser la tête et la rendre chauve. Allez. Quelqu'un va appeler le coiffeur. Je vais lui raser la tête.